La chose est très claire. D'accord. Donc il n'y a pas de souci là-dedans et nous nous condamnons ce genre de choses. Bah, oui. Et donc c'est vraiment pour l'aider et donc c'est pas pour la mettre en difficulté ou quoi. Que ce soit. Moi, j'en ai déjà parlé avec Raoul, etc. Donc c'est vraiment pour l'aider. Donc si elle veut, je peux l'emmener. Hein. Donc on va en concurrence, on peut aller à plusieurs personnes. Ouais. Et alors il peut prendre. Bah oui, ça c'est pas de problème. Hein. Et ils prendront la liste en fait des témoins et on peut les entendre encore par la suite. D'accord. Est-ce que vous permettez que je traduise? Oui, bien. On est devant le bâtiment occupé par les indignés, le commissaire. Il vient récolter et inviter les gens à porter plainte contre l'agent de police qui a donné un coup de pied à Nicky dans l'action à la banque d'Exia. Mais puisque Nicky a déjà porté plainte pour comité P, il n'y a pas beaucoup de raisons de le refaire de nouveau. Elle l'a fait par son avocat. Ça veut dire qu'on n'a pas raison de le refaire maintenant. L'agent qui a donné le coup de pied a été arrêté ce matin. On va un peu suivre ce qui se passe. Nicky aimerait vraiment parler en séance. D'accord. Et il est, c'est l'avocat, mais il peut être disponible un peu plus tard, je pense, dans l'après-midi. C'est une audition, ça peut la faire, sinon il problème. Toutes les personnes qui... O sea que todas las cosas que se pueden hacer después se harán después, no hay ningún problema, pero para empezar con ella. Elle n'a pas besoin donc de trouver. Pourquoi il s'est présenté? Il n'y a rien. Ça rentre dans le dossier, mais ce n'est pas utilisé comme la déclaration. Il va falloir que ça soit une déclaration plus. Également. C'est bien légalement. Mais si le choix de Nicky est de ne pas faire sa déclaration en absence de son avocat, on respecte le choix de Nicky qui s'est accusé. Je vais lui arrêter. Voilà. Pour le faire là, demi-tour, tu feras un demi-tour qui arrive. Dans la journée, c'est urgent, mais je serai là-haut. Bah, je vais de la scène parcelle avec la femme. Non, non, la fin, je vais faire un también ya estaban en el equipo claro hay más de retard dans la procédure, que la déclaration dans la première. Pas du tout, d'accord. Donc, ok, alors elle veut bien qu'on fasse tous les trois. Oui. Il faudrait que ça soit plus avec la femme. On l'a. On l'a. C'est avec la femme. On va dejar ahí. Non, parce qu'il y a un testimonio. Il y a un testimonio. Non, il y a nada más. Vale, vale. Pero no tenemos una relación. C'est vraiment important là. Nicky, Nicky. Moi, je sais où il est. La déclaration. La déclaration officielle. Ah non, officielle, non, devant l'avocat. Oui, d'accord. Alors, I speak English. I have just talked to your name. To Maître Avrani, and he says it's not urgent. We can make that operation with the police this evening if we want. So, if we bring it. Todo eso es para ayudarte, o sea que lo mejor sería, bueno, avanzar un poco esta tarde, y si no te molesta, puedes venir con las personas que quieres, no 5 personas, 10 personas, porque tengo 2 o 3 sitios en mi coche, y bueno, lo hago, no es mi trabajo normalmente, es el trabajo de la zona norte, pero lo hago para ayudarte, para instalar un poco de confianza, para que seas confortablemente... ¿Con la policía de verdad? Sí, vale. nosotros condenamos este tipo de cosas. Y nosotros hemos hecho lo necesario sin que nos pida nadie hacer algo. O sea, que fue algo espontáneo, hemos hecho lo necesario con este colega, y bueno, todo eso es para ayudarte.
Vale. No va a durar mucho tiempo, si puedes tomar dos o tres personas. Clarifico que el señor Abrami no es de la policía, es de la Liga de los Derechos del Hombre. No, es de la policía de Bruselas. Es el mismo nombre que alguien de la Liga de los Derechos del Hombre. No, pero este hombre no es. Disculpa. Está negociando todo esto. Nos conocemos, Raúl, tenemos un contacto perfecto. Vale. Y bueno, todo eso... Je t'accompagne si tu veux. Testigos, con su nombre y todo. Y bueno, los colegas van a organizarse para tomar su declaración a fin del día o mañana o algo así. Je reçois un message du legal team de ne pas faire de témoignage sur la police, puisque ça passe par un comité P. Comité P, c'est un comité qui est fait pour contrôler la police. ¿Quién se viene con la lista, el ordenador, todo? No, la lista. Oui, parce qu'il y a déjà été porté plainte au comité P, alors ça ne vaut plus rien de porter plainte de nouveau à la police. Ça ne vaut plus rien, c'est la suite. La plainte a déjà été faite, c'est l'enquête. L'enquête va revenir là. Donc, de toute façon, le comité P renvoie l'enquête vers la police de la zone nord. Continue. Des choses qui sont liées, hein. C'est pas qu'un truc ne vaut rien, l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais.